va. On y va. Brillante, brillante. Bonjour, monsieur. Hello. How are you? Good. This is not your first time in Cannes, but is it the same feeling on the red carpet today? Of course, it's a different feeling every time you walk on a red carpet because you're being a different film. This is not just about walking on the red carpet, but also the kind of film that you bring every time that I come here in Cannes. It's important for us, for you, for the movie to be here because it kind of gives us news from your country and from your cinema. How would you say that it's evolving? Well, I agree with you. I think it's some sort of a breather, you know. Cannes is very, very elegant, very glamorous. But of course, the kind of film that I bring here is not as glamorous, is not as elegant. But at the same time, like what I've said, it's a breather for us to, you know, sometimes look outside our shelter and see the world, not just from our perspective. How would you introduce Marosa? How would you say it? Well, it's a film not only about corruption, it's a film not only about family, it's a film not only about morality, but it's also a film about our perspective, deeper meaning of life. You know, when we try to question ourselves of what is right and what is wrong, when we are on the border of this is right and this is wrong, I think sometimes we have to reflect on that also. I think it's also one of the time you kind of show characters, but kind of different ways than usual. Do you agree on that? Yeah, I mean, the lead performer, the lead protagonist in the film is a very strong character, like in most of my films. Because I think, personally, because maybe back in my country, women plays a very important role in our lives, not only as a nation, but also as a family. Merci beaucoup, Brillante Mendoza. On va parler avec votre actrice. Bonjour. Bonjour. How are you? Good, very good. What are you feeling here on the red carpet in Cannes? Oh, this is my second. It's always been great. Yeah. How would you define the way you work with Brillante? Oh, I know his style, what he likes and what he doesn't like. So I behave as an actor, he's a friend, but when we work together, I behave as an actor. I obey whatever he wants to say because he knows in his mind what he's doing. And no one can contest that, actors. But does he tell you about what he wants exactly? No, we improvise, but he will give you the situation. What he doesn't want is for us to anticipate the acting. So there's our surprises that is coming in and out that we do not know. As long as we stick to the character, we're good. Because he's the master, so he knows what he's doing. How would you say that Marosa is different from his previous movies? It's different, totally different from Serbis. Oh, yeah. Although it has something to do also with the social relevance, you know, in our country, or what is happening in this film is also happening in different country. It's just that we're in the third world country, so it's kind of different. But what is beautiful about the film is that Brillante catches every moment, every scenes that he wants to take. The rain effect scenes was so hard. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Enfin, j'ai envie de vous dire, pas vraiment parce qu'on est un petit peu en différé, c'était il y a quelques instants la montée des marches de Marosa, le film de Brillante Mendoza. Un petit peu en retard car nous ne voulions pas interrompre les conférences de presse et photocalls qu'il y avait juste avant ça. Mais on tenait à vous faire vivre ce moment, la montée des marches de Marosa, le film de Brillante Mendoza. Jacqueline José. Brillante Mendoza, réalisateur philippin, un habitué de Cannes, le voici au centre entre ces deux actrices, Brillante Mendoza. Il en est à sa cinquième participation cannoise, puisqu'en 2007, il présentait un film à la quinzaine, John John, mais on se souvient surtout en 2008, Serbis, un film en compétition qui se passait dans un cinéma, un film extrêmement glauque et très fort qui avait marqué les festivaliers à l'époque. Il était revenu l'année suivante avec Kinatai, pour lequel il avait remporté
le prix de la mise en scène, c'était en 2009, Kinatai. Il était à Un certain regard l'année dernière avec Takloub, et le revoilà donc avec Marosa. Marosa, un film comme il en a l'habitude, qui montre les côtés les plus sombres de la société philippine. Nous sommes dans la rue, nous sommes avec les pires penchants de cette société-là. Il y montre la corruption de la police, il y montre les trafics et autres activités. Tout ça dans avec son rythme et sa mise en scène sans égal. Caméra souvent à l'épaule, on suit les héros dans leur course à travers Manille et les Philippines. C'est assez fort, c'est très énergétique et ce monsieur a énormément de talent, et ce qu'il dit sur la société philippine est assez effrayant. À ses côtés, la dame en noir, c'est Jacqueline José. Jacqueline José qui revient à Cannes, puisqu'elle était déjà dans le précédent film de Briente Mendoza. Elle était aussi dans Service. Troy Espiritu, son scénariste. Toute l'équipe de Marosa, de Briente Mendoza. Directeur de la photographie. En bas des marches était il y a Loreto, quelques minutes. Briente Mendoza, Jacqueline José et ses actrices et acteurs. Andy Eigenman, Raymond Anthony Gutierrez, Mil Rian TCC, Joe Maria Angeles, Maria Isabel Lopez, Ruby Ruiz, alors que Thierry Frémaux accueille l'équipe de Marosa, délégué général du festival, pour le 13e film en compétition cette année. Espérons que ça l'emportera bonheur. Voici donc Jacqueline José à l'image. Alors, elle est un petit peu plus loin, pardonnez-moi. Juste à côté de Briente Mendoza. Rian PCC à l'image. Briente Mendoza. Voici Jacqueline José. Ils sont tous là pour présenter le film philippin en compétition lors de ce 69e Festival de Cannes. Toute l'équipe de Marosa. Andy Eigenman, c'est la jeune fille que vous voyez là. Briente Mendoza qui monte les dernières marches qui le conduiront à l'intérieur du palais pour la projection en avant-première mondiale de son 5e film présenté à Cannes. Briente Mendoza, 56 ans. Films à son actif et déjà 5 participations au Festival de Cannes. Marosa, un film que vous verrez cet automne dans les salles françaises, sortira le 9 novembre. Cette première montée des marches de la journée, nous allons suivre l'équipe à l'intérieur de la salle. Du nouveau film des frères, nous sommes évidemment les seuls autorisés à vous montrer ça. Toute l'équipe de Marosa qui va bientôt rentrer dans la salle, vous allez voir ça, alors que Thierry Frémaux va se mettre en place pour les inviter à rentrer dans la salle. Thierry Frémaux a le droit à son ovation. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est le 14e film de la compétition, et comme c'est en compétition, il y a un jury, et le jury est ici et il est présidé, une fois n'est pas coutume, je vais le représenter pour que vous puissiez l'applaudir très fort, par Georges Miller qui est ici. Un jury placé à un rang qui lui est réservé, il vient pas en garder place, hein, de toute façon. Ça suffit. Chut. Stop. Le jury doit pouvoir travailler sereinement.
C'est le 14e film de la compétition et ça n'est pas la première fois que le jeune Brillante Mendoza revient nous voir. Il était là l'an dernier au Certain Regard avec un film qui s'appelle Tacloub. Il est l'un des grands héritiers de cette tradition formidable du cinéma philippin. Ils arrivent tous de Manille et ils l'entourent. Tous ces comédiens et comédiennes, merci de l'accueillir. Le cinéaste philippin Brillante Mendoza. Voilà donc Brillante Mendoza pour le 14e film. Merci Thierry de m'avoir corrigé, puisque j'avais oublié Personal Shopper hier, tout simplement. C'était le 13e film, donc on ne sait pas si cela porte bonheur ou pas. On saura ça dimanche prochain. 14e film en compétition. Plus que 7 à voir avant d'avoir le résultat de ce 69e Festival de Cannes. Toute l'équipe donc de Marosa qui se met en place, Brillante Mendoza au centre, ses acteurs et actrices à ses côtés, ils vont s'installer dans la salle, en fait ils sont installés dans la salle il y a quelques minutes, mais on tenait quand même à vous montrer ces images. Le film est en pleine projection en ce moment même, vous verrez les réactions du public dans les images durant les images d'après projection qu'on aime bien vous montrer sur TV Festival.